Sports. It's in the game. Bonjour, bonjour. À l'occasion de l'Euro 2024, on va retrouver notre équipe de France et essayer de faire au moins aussi bien qu'eux, voire mieux. Mais bon, ça, après, c'est l'avenir qui va nous le dire. Alors, petit rappel, hein, notre poule est composée de la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas. C'est le premier match dans cet Euro pour les deux équipes. Un moment très important, évidemment. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné ? Quel privilège de vous retrouver depuis les tribunes de la Düsseldorf Arena. Quand on aime le foot et qu'on aime l'Allemagne, on est content d'être ici. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement au programme première journée dans cet Euro 2024. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Voilà la compo officielle. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. Les titulaires côté français, les voilà. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin, en pointe, Olivier Giroud. Pour réflexe, le ballon est repoussé. Konaté. Théo Hernandez. Oh, joli. La frappe, ah, dommage. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Oula, hein, s'il y a ralenti, PLS. Corner. Ah, on sait que Giroud, il est très fort, hein, de la tête. Là, le ralenti est un peu moins dans les chaussettes. J'en ai mis des buts avec Giroud dans la carrière de Mbappé, dont jouait les matchs de l'équipe de France. Le ballon qui est perdu. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Ballon dans la boîte. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Nicolas Seyvald. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Voilà une bonne défense. Ah, dommage. On a fait une faute. Oh, on n'est pas comme ça. Ah, c'est récupéré très haut, ça. Merde. C'est sur Mbappé que je voulais. Toujours autant de misère sur les passes. Proche. C'est pour Konrad Leimer. L'action se poursuit. Ah bon, ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. C'est une case en or, là, sur le côté. Maximilian Weber. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important. Mais là, c'est complètement raté. Konaté. Théo Hernandez.
Rabiot. En direction de Griezmann. Hors jeu peut-être. Et c'est récupéré ça. Maximilian Weber. La passe pour Seybald. Saveur. Seybald reçoit le ballon. Ah, le ballon change de propriétaire. Ouais, pas mal. Giroud. Et attention à cette frappe. Dommage. Très bonne intervention du gardien. Vers le point de pénalty. Ah là là. Bah, disons, le gardien, il était derrière Giroud. S'il ne l'avait pas récupéré, on collait une tête. Il avait bu. Ballon pour retrouver la possession. Bon, pour l'instant, quand même, on domine. Hein. Je crois que notre gardien n'a pas touché le ballon. Seybald. Il faut se méfier hein, parce que l'IA a cette difficulté sur une balle elle nous la met. Gregoric. Oui. Ah, la perte de balle. Ouais. Giroud. Et un arrêt qui fait du bien. C'est pas en jeu. Peu de limite, hein. Bien tiré dans la surface. Oh la même. Trop sur le gardien, c'est mal tiré. Pas. Saut Giroud. Et puis tout jeune. Aurélien Tchouaméni. Ouais, c'est bien fait ça sans faute. Leimer qui se faufile et porte le danger. Stéphane Poche. À la bas. Mettre la pression, ouais. Eh ben, récupère. Oh, il la récupère. Oh, là, cette il bataille. Bien le ballon. Cette bataille. Saveur. Poche. Bonne progression dans le camp adverse. Et ça joue avec Leimer. Oh, il y a danger, là. Hein. Oh, la frappe au but. C'est délire. Ah, elle est contrée, cette frappe. Alors, contrée par qui? Défenseur et après ah non j'ai cru qu'à un moment donné la 7 pouvait l'avoir touché. Corner le premier. Parlons dans la surface. Oh, pas vraiment de belle arrêt sur cette tête. Et pour le gardien c'est Noël anticipé. Non, il a fait un très bel arrêt. Pas du tout évident de l'arrêter. Bien effacé. Et l'équipe de France en approche. Ah, dommage. Ah, pas bien joué, mal défendu. Ouais, faute. L'arbitre donne le coup franc. Waouh. J'ai vu une comète, j'ai vu une constellation. Ah, c'était pas mal. Hein. Une beauté et au bout un 6 mètres. Surtout, ça fait longtemps que j'ai pas tapé de coup franc. Il y a une pluie de ballons qui est tombée sur le but autrichien depuis le début. Rabiot. Ça, c'est bien ça. Bah, du soutien là pour attaquer. Oh voilà. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Oh, il s'interpose là le gardien. S'il y a eu corner.
Bon, il reprend un peu comme il peut. Il nous fait une... Comment il s'appelle, notre gardien argentin là? On a pensé beaucoup de bien de lui dans la Coupe du Monde. Hein. Martinez, voilà. Il nous a fait une Martinez, le gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Excellent. La même. Que je la fasse moins loin. Hein. Plus encore sur le point de pénalty. Ah non, il est perdu ce ballon. Saveur. Kevin Danso. Parce qu'il l'avait perdu là. Et c'est vers Sabitzer. Gregoric. Oh, attention là. Oh là 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 là. Ouais. Ah, je comprends pas. Le joueur part. Et le ballon. L'attaquant adverse reste. La sacrée frappe, mais c'est à côté. Ah, belle langue pour eux. Ah ouais, il est pas passé loin quand même. Surtout avec l'angle, peut faire un peu peur. Kylian Mbappé. Il est redescendu drôlement en bas. Hein. Ah non, oh. C'est très mal donné. Ah ouais, on a une belle intervention quand même. Ah là-bas. En termes de timing, faut le faire, hein, récupérer ballon. Avec un tacle. Glisser comme ça. David Alaba. 35 minutes, toujours pas de but. Arnautovic reçoit le ballon. L'attaque se poursuit, elle se développe. Savitzer reçoit le ballon. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Oh, il s'est fait. C'est un ballon intercepté. Giroud, c'est quand tu veux pour te positionner. Oh, Giroud qui s'arrête au lieu de se positionner dans le trou, mais quel Yann. J'aurais dû la taper hein, si j'avais su qu'il y allait pas. Ouais. Oh, c'est quoi cette relance de merde? Oh oui, il y avait trois défenseurs en bas. Quelle faute de concentration. Oh bah oui, non mais... Sérieux, la relance, là, au milieu des joueurs. Bon, super. Super. Je comprends pas le... Cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Oh, la frappe est belle. Hein. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Mais c'est pas Kylian Mbappé. C'est pas juste. En direction de Griezmann. Oula. L'arbitre laisse l'avantage. Ouais. Ah non, on revient à la faute. C'est ouais, s'il peut y avoir un petit carton rouge là, avec un joueur en moins, il serait. Olivier Giroud. Ah, le ballon est contré. Dommage. C'est un peu présomptueux hein, cette distance et un mur. Kevin Danso. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, joli. Du bien. Et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté. Elle passe. Déclenche la foule. Qu'est-ce que c'est beau, man. Sous la barre. Hein. Fait du bien avant la mi-temps. Faire respirer un peu. Puis c'est quand même plus à l'image du match. Hein. On mériterait même escort de parité avec ce but inscrit de dominer. Mais bon. Nicolas Seyvald. Je
ça va pas tarder, 2 minutes. Kevin Danzo. Saveur. Très bonne couverture de balle. Eh oui, c'est bien défendu. Ça a peut-être été un peu juste niveau timing pour, ouais, pour monter le ballon. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas touché FIFA. La performance de Griezmann n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Son talent lui autorise mieux. Oui, les défenses ont pris le dessus dans ce match. C'est difficile pour les éléments offensifs de s'exprimer. Tous les mouvements sont encore trop prévisibles. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en stats ? Récupération de ballon, tir 4 quand même de leur côté. Hein. Pas mal de passes. Très bon jeu de tag de leur côté. 10 interceptions, 5 arrêts du goal. On en a mis quand même beaucoup à côté. Hein. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Il faudrait qu'on ouvre ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. L'avantage rapidement parce que oh, oh joli. On a eu de la chance, le gardien était sorti, enfin, il était plus sur nous au premier poteau. Oh, bravo. Pour ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. L'angle est pas simple, mais ouais. Et la défense ne peut pas intervenir. Ah, il le ballon est très sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. Bon, tout de suite, on respire un peu là. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Alors, comment ils vont réagir ? Reimer. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Il faut centrer là-dessus. Le ballon pour Konrad Reimer. On cherchait les espaces. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Un corner, corner. Et donc une opportunité d'égaliser. Oh. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ah, c'est bien, c'est dévié. Il éloigne le ballon. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Konrad Leimer. Avec la pression. Et ça rejoue sur Leimer. Ça recule. Saveur. Oh, le ballon là qui est repoussé. C'est bien, si on les oblige à tirer de loin. Logiquement. Il vaut cher cet arrêt. Il permet à l'équipe de maintenir son avantage. C'est ça. Et vous voyez là, ce match évidemment à ne pas rater très bientôt. Donc cette rencontre à vivre ensemble. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. À la main. Seyvald reçoit le ballon. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Allez. Ah là là. Ils sont forts hein, là-dessus. C'est la deuxième fois qu'ils nous coupent nos trajectoires. Gregoric, le long ballon en retrait. Putain, ils ont une possession de balle beaucoup plus importante qu'en première mi-temps. Là. Savitzer reçoit le ballon. Pas laisser de trou.
Allez, bonne... La bonne lecture pour stopper cette offensive. Bonne interception. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ce qui va passer dans le trou. Merde. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. C'est bon, on récupère. Mbappé dans le couloir, il peut avancer. La passe vers Rabiot. Oh le boulet. Le gardien était bien vigilant. Faut trouver le ralenti. Giroud a failli. Elle était d'abord sur le gardien et après se dégager sur le poteau. Elle a plutôt fallu l'inverse. Mais bon, il y avait Giroud sur la trajectoire. Pas simple. Pas simple. Alors, on va peut-être la faire plus au centre parce que le gardien a eu tendance, première mi-temps, à. Voilà. Moins de gardiens, mais plus de défenseurs. Y a du monde là, oh, c'est joli ça. Ah, c'est un peu fort. C'est joli la passe de Griezmann. Voilà, vous le voyez, rappelons ce match, ce rendez-vous à vivre ensemble et en intégralité. Deux équipes très intéressantes. Ce sera le pour tous les amateurs de football, prochain match de l'équipe de France. Effervescent même. Oui. Sans commettre de faute, c'est important. Merde. Stéphane Poch avec Arnautovic maintenant. Gregoric, c'est pour Marco Arnautovic. Sabitzer, même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille. Ah, il lève bien la tête. Parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance le ballon soit détourné. Heureusement les. Ah, il y a eu tant de réactions. On a eu de la chance qu'elle passe pas entre les jambes du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Ouais, une bonne tête. En plus, il n'y a personne de ce côté-là, donc on peut. Calmer le jeu parce que c'est en train de se cramer, il n'y a personne. Aurélien Tchouaméni. Ballon pour Jules Koundé. Griezmann. Antoine Griezmann en approche. Oh, oh, oh. Voilà, ça sort en touche. C'est le jardinier du stade qui va être content. Il y a un joli trou dans la pelouse. Hein. Du soutien. Il y a une possibilité là pour centrer. Griezmann. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien tenté. Le score reste serré pour l'instant. Et oui, toujours pas de libération avec un troisième but. Ce serait tellement bienvenu. On va leur mettre la pression parce que j'ai peur qu'il la joue. Tanzo. C'est pour Marco Arnautovic. Oula. Oula la galope. Oui, galope. Et ça joue avec Leimer. Allez, pourquoi pas là. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Ouais. J'étais un peu vénère de la première. Le premier défenseur qui avait été complètement. Avec Théo Hernandez. Squeezé. Il y a un peu d'espace là. Merde. J'ai poussé le ballon un peu trop loin. Gregoric. Schlager reçoit la balle. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et voilà un ballon en pleine surface de réparation. Sans trop de danger. Et le danger est éloigné. Il y a un espace là. Mbappé. Ah, le contre est possible. Giroud. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Oh.
Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est une bien fois, Giroud s'arrête un peu trop la tôt. Frappe. La frappe est bien contrée. Heureusement qu'on a mis ce but en début de mi-temps, parce que là, ça reste bloqué. Alors, il y a plusieurs options disponibles. Ça, c'est joli, maintenant. Ça. Wow. Oh, ce karaté kick. C'était beau, hein. C'était beau, mais c'est pas fini. On peut revenir, mais ils ont tout reverrouillé. Pas mécano. Ballon Konaté. Essayer de. Koundé. Ouais. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. La même. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Seyvald. Nicolas Seyvald. Tanzo. J'espère qu'on le verra, le reverra, le coup de Mbappé là, il était un peu sympa. Puis ça tapait le poteau. Poche. Ah, ils sont beaucoup plus offensifs et constructifs dans cette deuxième période. Nicolas Seyvald. Saveur. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Putain, ils sont arrêtés tous, ils Nicolas m'ont fait peur. Et pourquoi pas un tir? Il est dans la surface de l'opération. Oh putain. Oh là là. À l'attaque adverse. Non. Ouais, très bonne conservation du ballon. Waouh. Le ballon sort. Pourquoi il a dit c'est la dernière tentative? On a 82 minutes. Je regardais pas du tout le. Interrompu pour un remplacement. Le chrono a craqué. Commentateur. Et le ballon est récupéré. Oh putain. Arnautovic. Mais c'est pas possible. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. C'est horrible. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Ah, ça va être compliqué. Hein, Mon Dieu. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, 2-2. Puis là, les mecs sont cramés. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Ballon pour Schlager. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Ouais, bonne prise de balle sur ce centre. T'as Mbappé, faudrait peut-être te bouger, mon garçon. Hein. Mbappé. La projection dans le camp de l'adversaire. Corner. Allez, les coups de pied arrêtés, c'est une occasion de s'appliquer sur ce corner. Ça va vers le point de pénalty. Ouais, c'est un peu trop fort. Maîtrisé par la défense. Ouais, superbe défense. Je sais pas qui l'a touché. Et une opportunité de passer devant au score. C'était un peu fort tout à l'heure. Oh! C'est Giroud, hein, je crois, qui est. C'est Giroud. L'enjeu est important, le moment. Oh, bah vas-y. Non mais carton rouge. Mets-moi un carton rouge là-dessus. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et voilà l'arbitre là qui sort le carton jaune. Et l'arbitrage a toujours. Non mais sans déconner, il balance ses genoux. Il s'est cru sur un ring de catch. Aïe, aïe, aïe.
4 minutes minimum de temps additionnel. La trajectoire du ballon trop est brossé. Presque parfaite. Malheureusement, elle est du mauvais côté des montants. Oh, pas terrible ce ballon rendu directement aux adversaires. Le but du chaos est très proche. On joue maintenant les dernières minutes. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Kevin Danso. Roche. C'est pour Konrad Leimer. Oh, il joue à la baballe, ça m'agace. Oh, putain. Ah, on se réservait la dernière occasion pour eux. Bon, c'est pas un kata, mais. Parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses de leur part dans ce match. Mmh. Mais cette égalisation tardive est venue tout gâcher. Ouais, ouais. Et je dois avouer qu'on l'a pas beaucoup vu quand même briller dans cette partie. On est d'accord, c'est une performance assez moyenne de sa part. Tout est un peu mi-figue et mi-pamplemousse dans ce match. Le résultat final et sa prestation individuelle. Pas catastrophique, mais pas grandiose non plus. Regardez les temps forts. On a pris beaucoup de buts à la con quand même. Hein. Sur des relances merdiques. Hein. Heureusement qu'on l'a mis lui. Hein. Il y a eu des beaux arrêts hein, quand même. À la rigueur, j'aurais préféré prendre des buts sur ce genre de truc que sur ce qu'on a pris. Bon, on verra pas le karaté kick de Mbappé. Dommage. Bon, bah écoutez, prochain rendez-vous, eh ben, ça sera contre les Pays-Bas qui visiblement ont perdu leur match. EA Sports, it's in the game.